demi-finale pour un derby du sud-ouest entre Tarbes et Basketland. Landes contre Tarbaise. Et l'ouverture du score, elle aura lieu sur la ligne des lancers. Kendra Chéri et ses partenaires de retour hein, très rapidement après la défaite en finale. Et Gazelle Soder qui vient jeter deux points de plus. Ça fait 3. C'est bien joué. Oh, c'est fluide. Il se fait confiance sur son mid-range. Qu'est-ce que c'est fluide. Magnifique ce move. Il y a peu de place. Il y a peu de place. C'est une forteresse et pour Rodo, l'instant. C'est fort aussi ça. La bonne décision directement d'attaquer la ligne de fond. Philippe Barret n'a pas voulu me la donner, mais on commence à la découvrir. Kopossi qui cherche encore Malonga, contesté. Ce sera pour Droguet. À 3 points. Droguet, c'est magnifique ce qu'elle fait, mais vous avez vu la défense sur Malonga. Il y a un soldeur qui se fatigue à passer devant sans arrêt. Les deux équipes s'envolent pour l'instant. Et ce oh, c'est compliqué, sur c'est compliqué ça. Ça va permettre de courir. 3 contre 2 pour les Tarbaise. Quelle passe. Oui, bien joué. Oh, la passe laser. Pour trouver Serena Kessler. Ouais, Carla Leite, c'est quand même aussi une joueuse. Hein. Vous avez vu cette lecture de jeu. Ouais, parce qu'il y avait du monde. Marché. Oui, oui, marché. Alors que c'était très bien joué, c'est très dur. Comme petit sifflet, mais lié, hein, ce marché au départ. Alors qu'on va revoir la percussion de Chéri et surtout cette passe, cette offrande, elle n'est pas facile elle à mettre. Est millimétrée. Hein. Cette passe aussi, elle est incroyable. Ouais, il y a du tempérament chez ces jeunes joueuses. Et Kessler ne fait pas un gros match là pour commencer. On parlait de ce monstre à trois têtes, il y a une nouvelle tête qui vient de sortir. Par contre, elle va se rattraper directement. Et on est une nouvelle fois dès qu'il y a une... Odo, servi. Ah ouais, mais ça isolé. Change, et c'est parfait. Change. Droguet, 12-9. Zodia. En renfort à l'intérieur, quel impact sur Poering, elle l'a enroulé. Elle l'a enroulé, mais vous avez vu, Poering a essayé de faire le coup de la chaise, elle l'a pas réussi. Prestation du début de match contre Bourges, et ça peut s'accélérer avec Carla Leite qui vient piquer un ballon. Et ça se tend sur le parquet. Il est grand temps pour Basketland de trouver la paille. Elles sont toujours bloquées à 9 points, elles n'y arrivent pas, aucune attaque de passe. Et Julie Barren a les mains sur les hanches. Oh là là, oh Carla Leite. Pour Malonga. Oh là là là. Cette relation de jeunesse, cette course, vous avez vu, ballon volé, ballon en contre-attaque à chaque fois. Oh là là, elle va vite. Elle va vite. Elle va trop vite. Le repli défensif a des problèmes, ça va trop vite avec les. Il faut la stopper avant. Ça c'est important par contre, effectivement, attaquer le rebond en plus quand t'es maladroit. Gazel Soder contestée et elle s'applique, l'allemande. Ah, c'est fort, hein. Le petit dribble pour se resituer. Gazel Soder. Il cherche une solution, elle a enfoncé Carla Leite intelligemment. Deuxième panier coup sur coup pour Louisa Geisel Soder. Elle veut y aller à droite, attention, elle a glissé. Oh, elle a Leite avec le contact, rien disent les arbitres, ça joue. Et ça va mieux pour Basketland en ce moment. Il y a un temps fort. Chéri, la petite passe est bien dosée. Revoilà le collectif landais. Ça revient, Geisel Soder dans un confort. Et avec de la réussite, seulement 2 points. Et Wodo. Et Wodo dans le trafic. Et Wodo, la main ouais, qui est fort. Propre. C'est fort, le toucher pour finir ça, je peux vous dire qu'il faut en avoir. Parce qu'elles n'ont pas paniqué. En tous les cas, elles ont paniqué un petit peu, elles sont revenues à leur basique. Et le basket est un sport de série. Et la série est en train de basculer du côté de Basketland en ce moment. Revoit la Basketland à un petit point. Les Landaises ont fait le comeback. Elle enchaîne les gamelles. Bussière, et pendant ce temps-là, bis repetita, Bussière, pour passer Basketland devant. Bussière, Basketland qui veut aggraver la marque, Bussière, en festival. Bussière, c'est le facteur X, hein. 7 points marqués déjà pour elle. Ah bah elle est dans le sud-ouest. Hein. Bah apparemment le sud-ouest lui rend bien. Hein. Leite, oh, et regardez le sud-ouest. C'est Bussière chaud en ce moment. Bussière dans tous les bons coups. Louise Bussière, la joueuse de Mondeville qui emmène Basketland avec elle. Bien gérer cette dernière possession. Carla Leite. Regardez, François Gomez qui demande à tout le monde de s'écarter, de laisser jouer Leite. Carla Leite. Et il a raison. Et il a raison. Le panier avec la faute, Fred. Non, pas du tout, juste le panier. Juste
juste le panier, mais le panier est fantastique. Quel beau panier. Et directement la bonne défense, le backdoor avec Fopossi. Elle était en rythme sur ce catch and shoot. Ça nous plaît. La bonne passe est ressortie avec Pardon, difficile. Et le rebond après, il est assuré. Et toujours et la rebondeuse maison. Chéri qui fait le tas. Confortable, je suis pas sûr que ce soit aussi confortable que ça quand même. Elle était contestée au dernier moment. On s'est revenu fort. Et Pompon, il a pris un coup. Hein. Ouais, c'est tombé sur la tête de Pompon. Kaisel Soder. Ouais, qui vient toucher la tête de Pompon. Ils sont les mêmes parents. Désorienté. Non, ça va, ça va. Kessler. Fopossi. À 3 points. Marie-Paul Fopossi. Droguet. Oh, elle a fait sauter Peterson. C'est parfait cette action. Il faut mettre ça. Elle s'est retournée et ça fait 2 points. Kessler est vraiment impérial depuis le début. On retrouve l'énergie des Terbes du premier quart-temps. Fopossi est en mort. Est en mort obligatoire, bien sûr. Il faut arrêter le jeu pour Basketland. Qui aura le plus de sang-froid? Regardez le sang-froid, il est là. Il est là, elle est passée. Oh. Elle a ouvert les portes. Carla Leite. Le talent à l'état pur. Kaisel Soder, l'activité des intérieurs. Et Odo qui se précipite. Oh, qu'il est beau ce tir! Elle est venue se montrer. Elle était en pleine accélération, ouais, en plus. C'est dur de faire ce genre de shoot, hein, parce que... Le culot, là, de Fopossi. Elle a raison, on en a mis un tout à l'heure. Il faut qu'elle essaye des choses. C'est une jeune équipe, hein. C'est aussi pour ça que c'est intéressant. Par contre, il faut défendre. Peterson, faut défendre sur le pick and roll. Elle ne sort pas Malonga du tout, là. Basketland se ressaisit. Alors que là, il te retrouve une situation avec Kessler dans de bonnes dispositions. Quel trouvaille ! Et Leite qui s'élève comme si c'était elle qui avait marqué. Alors qu'on voit de moins en moins Salvadores. Hein. On ne l'a pas revu sur le terrain. Marie Pardon. Oh, la belle déviation, superbe Fouring. La relation intérieur-intérieur, elle maîtrise ça. Jaldi Tabdi en finisseuse. Et Wodo. Bussière qui attend que ça se mette en place. La bonne passe à l'intérieur. Très bonne passe de Bussière à l'intérieur. Le flash est bon, hein. Aussi. Ah, c'est l'école des Sistava Angelova. Hein. Qu'est-ce qu'on l'a vu aujourd'hui? La voici encore. En tour de contrôle pour Marie Pardon. Rebond de la capitaine Aldi Tadi. Et les deux points qui font beaucoup de bien. Après un rebond offensif. Non, non. C'est la sérénité qui va primer. Et c'est surtout le carton le plus difficile. Hein. Bien joué. Oh, Droguet oublié. Non, Bussière a fait une erreur. Elle est sur Droguet, elle doit rester sur elle. Elle ne peut pas laisser une joueuse près du cercle. Mais celle-là, elle est grosse. On verra si Julie Barène lui en tolère deux. Pour l'instant, elle la laisse sur le parquet. Chéri. Chéri. Elle est bien passée, ça aussi. Inarrêtable, tout simplement. Inarrêtable pour Camille Droguet. Oui, parce qu'elle va serrer les dents. Mais c'est Marie Pardon qui se montre. François Gomez qui va arrêter le small ball et qui va faire jouer les deux grands en même temps. Hein. Oh, voilà le poc. Ou pas, attention, il va peut-être changer d'idée parce qu'il y a Zodia et Malonga sur la chaise des remplaçantes. Poc, elle fait les allers-retours, elle prend ses tirs, elle repart. Tadi Tadi. Oh. Et le N1. Et le N1 de cette action. Tadi Tadi, elle fait une très bonne deuxième mi-temps. Hein. Ah, bien joué, bien joué, avec bonne Peterson, lecture superbe. Avec la planche. Leite. Belle passe, ça, il faut mettre ça. Malonga qui dépose. Et la confiance de Leite en Malonga, elle est bien. Carla Leite, Fopossi, qui fixe le chrono. Elle attend, elle est attendre. Vigilante. Elle attend un petit peu, attend encore un petit peu. Elle est partie vite, elle est partie vite. Et Malonga, c'est dedans. Dominique Malonga qui se réveille une nouvelle fois dans ce quatrième carton. Ça sera pour Peterson. Non, ça va sortir. C'est pour Bussière à 3 points. Un symbole d'aller sur elle. Et c'est terminé, Fred. Après 3 défaites cette saison contre Basketland, la fierté d'Arbez a parlé. C'est le TGB qui s'impose à la maison, comme contre Bourges. Le TGB irrésistible.
l'équipe la plus jeune de LFP qui s'impose 67-65 plus 5 pour Tarbes.